je vais DM 100 influenceurs pour venir leur proposer d'ouvrir cette putain de porte. Qui va me répondre? Qui va venir surtout? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Bon, pour ceux au cas où qui m'ont jamais vu sur TikTok, en gros, oh, ça fait grave prétentieuse. Tous les jours, j'ouvre une porte en attendant une personnalité derrière. J'ai eu Inoxtag, Artist, et là actuellement, j'attends Michou. Et du coup, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire une vidéo justement où je DM 100 influenceurs pour qu'ils me répondent. Mais là, je me suis dit, ça peut être encore mieux si ils ouvrent ma porte. Allez, Joyka. Voilà, je fais un tournage où je DM 100 influenceurs qui seraient chauds de venir ouvrir ma porte. Là, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Après, bien évidemment, j'ai mis mon concept est d'ouvrir ma porte chaque jour en attendant une personnalité derrière. Honnêtement, si je t'envoie ce message aujourd'hui, c'est que j'aimerais vraiment avoir le privilège que tu participes à ce délire. Comment on pourrait refuser ce petit message? Copier-coller pour tout le monde. Hein. On va pas se faire chier. Hein. Carlito, voilà, Carlito j'aimerais bien. Et qui dit Carlito, dit McFly. Théodore, let's go, ça peut être hyper drôle avec lui. Il va rentrer, genre il va faire le rappeur. JC. Qui? Dis Siri. Appelle ma mère. JC, il m'avait déjà répondu. C'était pour être son monteur. Et au final, bah j'ai pas été pris. Mais du coup, ça veut dire que ces DM sont ouverts avec moi. T'invites que des mecs, invite un peu des meufs. Bah let's go, Théa. En vrai, pourquoi pas faire Léonard. Qui dit Léonard? Dit Alex, monsieur. Dit Alex. Ensuite, j'aimerais bien Gizzy. Gizzy, en vrai, ça pourrait être pas mal. Fast Good Cuisine, j'aimerais bien. Il a déjà fait ce concept-là, en plus de DM sans influenceur, donc il peut être compréhensif. Scoot de Street, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. Là, Squeezie, pour moi, il y a 100% de chances qu'il ne réponde pas. Mbappé. Mbappé. Ouais, Mbappé. J'ai invité Emmanuel, c'est mon pote Emmanuel. Monsieur Macron, t'es un malade toi. Mastu les gars, Mastu j'aimerais trop. Après le problème de Mastu, bah toute la team Lotte, c'est qu'ils habitent à Angers. Et moi je suis sur Paris, du coup bah... Et je doute qu'ils prennent un train pour te voir. Oui, je doute. Je pense avoir envoyé quand même assez de messages. Bon, bien évidemment c'est 100, je vais en renvoyer ce soir et tout ça, on va pas tout filmer, ce serait pas intéressant. Donc là on se retrouve directement pour bah, les réponses, pour voir qui m'a répondu, qui est chaud de venir. Voilà, let's go. Bon, on se retrouve ici dans mon ancien studio, pour ceux qui l'ont connu. Les gars, j'ai eu des réponses. Mais je suis content parce que je me dis que cette vidéo, elle va sortir et que je vais rencontrer des youtubeurs que je kiffe de fou. Donc ça, c'est cool. En premier, les gars, il y a Scoot de Street qui m'a répondu. Franchement, ça, j'aurais pas pensé. Il m'a dit, yo beau gosse, yes, carrément chaud, ça peut être drôle. Qu'est-ce que tu veux répondre de plus? Bon, voilà les gars, le premier qui a accepté. Ça va ou quoi? Bah voilà, ça fait plaisir, je m'envoie un petit message, bah vas-y, je suis venu direct. Eh, trop cool, c'est le premier à avoir accepté le délire. Au début, quand j'ai envoyé les messages surtout à toi, je me suis dit, bon en vrai, je vais me prendre plein de bâches. Mais mec, j'ai vu ton message, je connaissais pas, genre je t'avoue, je te dis la vérité, je m'excuse, hein. Je connaissais pas le TikTok. Du coup, je suis allé voir Porte 113, c'est ça. Je suis parti voir TikTok, j'ai regardé, tac, tac, j'ai regardé les vidéos, j'ai acheté sur ta chaîne YouTube. Mais en vrai, j'ai vu que t'étais fun, que t'étais cool, ouais. Que tu faisais des trucs stylés, donc vas-y, je suis venu direct. C'est gentil, c'est vrai. Parce que tu vas beaucoup sur TikTok, toi ou pas? Ouais, moi, je suis tous les jours mec sur TikTok. Mon TikTok, je poste des fois pendant une semaine, je vais t'en poster 5. Ouais. Par contre, des fois pendant 3 mois, je vais rien poster. Bon, du coup, ici, c'est la base des confettis lecturantes. Ok. En tout cas, j'aime bien, mec. Il est tout propre ton studio. Ah, merci. Ouais, mais. Jaune. Il est rarement propre. Un beau jaune. Ah, tu sais, je voulais faire. Un jaune de qualité. Je voulais faire, un jaune vraiment, alors, un jaune pisse pour que tu t'en souviennes, tu vois. Ouais, grave. Quand on le voit, tu vois. Oui, Bobby. Ce matin, je me lève. C'est bon, ça m'observe. Ah, j'ai eu peur de pas le péter ce truc là, mais ça va bien, ça va bien. Je me rappelle, j'ai fêté en vidéo mais sans abonnés. Genre la vidéo c'était, je fête mes 50 abonnés. Et après j'ai eu 1000 en peut-être en 2 ans, tu as 1000 abonnés en 2 ans. 4 ans après mes débuts, j'ai peut-être eu 10 000. Ouais. Et après à partir de 10 000, ça a fait. De 10 000 à 100 000, ça a pris un an même pas. Alors que de 0 à 10 000 a pris 50, tu vois. Les gars, Scoot de Street, un mec trop sympa, j'ai trop bien parlé avec lui, même hors caméra, on a parlé de tout et de rien. Franchement, c'était le premier à venir, c'était une super bonne expérience et une bonne rencontre. On continue? Ensuite, Alex qui m'a répondu, et ça, je m'y attendais pas non plus. Il m'a dit, yo, genre venir ouvrir la porte comme le JGN avec un grand coup de pompe et retourner ton studio? Et cingler le mec. Moi, je lui ai dit, oui, exactement. Écoute, c'est la première fois qu'on me propose de défoncer une porte à grands coups de pied et genre, je peux repartir avec ton PC et tout. Bon, moi, je lui ai fait comprendre que, bah, ouais, mais tu sais, frérot, je partage le local avec un pote, donc ça va être un peu compliqué, tu vois. Mais j'ai compris qu'il était chaud. Et en parallèle de ça aussi, Léonard m'avait répondu et m'a dit qu'il était chaud. C'est un duo. Du coup, je leur ai dit, venez tous les deux. Ok, bon, les gars, regardez, du coup, y'a qui? Salut! Mais attends, faut qu'on toque à la porte, on va pas toquer à la porte. Non, mais t'inquiète, je vais mettre. Attends, mais mec, je suis carré là. En gros, tout simple, parce que derrière la porte, Léonard, toi tu pourras du coup péter les confettis. Et Alex, vu que par message tu m'as saoulé, tu voulais absolument tout casser. Ah non, je suis pas. Je t'ai pris un petit coin pour tout casser, regarde. Arrête, mais moi je rigolais! Tu
Tu pourras... Ça, tout ça, tout les gars, je le dis, tout ne marche plus, ok. Mais je vais pas tout casser. Attends, si tu peux vraiment. C'est très rigolo parce que par message, j'ai fait le nerveux de dingue, mais dans la vraie vie, je... C'est ça, il a plus envie maintenant. On peut casser l'écran aussi, là. Alors, et ça, là. Ça, ah, mais moi, je suis beaucoup plus friand de casser ce truc, là. Mais attends. Ça a l'air bien, gros. Mais la caméra, là, je pense qu'on peut lui... la caméra, je pense qu'on peut la défendre. Crever. Ça y est, ça va partir. Tu sais qu'il y a des concepts comme ça, c'est des endroits, tu peux payer et tu casses tout dedans. Ah, j'ai vu, ça va être hyper satisfaisant, ça va être grave lourd. Voilà, au pire. Mec, tu mets une baillette et toi tu le finis. Mais moi je comprends pas tout ce qui se passe du coup. Tu parles du trépied ou de Anthony? Moi je parle d'Anthony, c'est Anthony. Moi je suis venu pour un tabac sur Anthony. Ah merde, du coup c'était pas... Ok, j'avais pas compris sur les messages, en fait je pensais que vraiment tu parlais de mon setup. Tu t'appelles pas Anthony Setup? Qu'est-ce qu'il y a les gars? Pourquoi tu cherches pour ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mon gars, c'est bonne ambiance, gros, c'est bonne ambiance! Calme-toi, Alex. C'est bonne ambiance, mon gars. Putain! Fais gaffe pour moi! Les gars, vous êtes malades! Mais mon site. Mais qu'on te reprenne pas! Qu'on te reprenne pas! Un malade lui! Mec, quand je t'ai vu plier en deux claviers! mais comment il a fait ça sur son genou? Genre il a. Tu peux le casser. Oui, vraiment, je me suis dosé. Ah non, t'inquiète, regarde. Ah, ça y est, ça a réparé. Par contre, ce que t'as pas dit, c'est que toi, on est doublure officielle d'Alex et Lola. Ah merde. Les autres, là, ils sont à un autre tournage. Ils sont à un autre tournage, du coup, ils sont pas. Ah, les autres qui sont en montage, en fait. Et en fait, notre but. J'imagine la scène, elle est excellente. Et en fait, notre but, c'est de leur pourrir leur image parce qu'on les déteste. C'est vraiment des enfants horribles. Ah ouais, du coup, dès qu'on est invité à leur place, on casse tout. T'as raison. Vas-y, grand. Vas-y, hein. Quelqu'un peut te casser. Vas-y BG. Nous on va y aller, tu vois. On va y aller de ouf. Vas-y, ok. On va y aller. Ouais. Ah bah c'était cool en tout cas, merci beaucoup. Ouais, on va y aller. C'était cool. N'oubliez pas vos affaires surtout. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Par contre, ouais, j'ai un peu l'impression que... Non. Je sais pas, non. On va y aller. Ok. Encore une fois, on est les doublures, donc s'il y a un problème, tu appelles à les chouettes. Tu les appelles directement. Okay. Ouais les gars, par contre j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de me racket, non? Non. C'était un plaisir en tout cas. Ouais, t'as mon cheval, t'as mon rib. C'était avec plaisir. J'ai l'impression que ton pec, il est bizarre. Non mais en fait, non mais... Ton pec clique. Oh, incroyable. Attends, ouais. Quand tu cliques comme ça... Ça va. Il y a un bouton s'abonner. Oh putain, ça va. C'est incroyable. Putain, ah ouais, putain, vous êtes voleur mais gentil en plus. Ah ouais, alors, trop bien. Et sur le clic droit, oh, il y a le bouton supprimer sa chaîne. Alors attends, si je clique, est-ce que je clique ou pas? Clique pas. Ça. Non, bah non, faites pas ça les gars. Ah, ouais, je clique pas. Ah merci, j'enlève. Allez, je clique. Merci à toi. Franchement, je me sens détendu, ça me fait bien fou. Bonne fin de vidéo à tous. Bonne fin de vidéo à tous. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs dans cette équipe. Boum. En fait, vous avez vu que la partie où on a filmé, mais... Ils sont restés vraiment longtemps, du coup on a parlé sur le canapé, comme ça, posé, et c'était trop cool. Franchement j'ai adoré, trop bonne personne. Franchement je suis content parce que pour l'instant toutes les personnes que j'invite, incroyable. En même temps je pense que les gens qui se déplacent pour moi, je pense que c'est des bons, tu vois. Les gars, Gizzy m'a répondu. Bon, pour être totalement honnête avec vous, j'avais son numéro de téléphone parce que j'avais failli être son monteur vidéo. Et au final il m'a dit, bien sûr je t'ai déjà vu dans Mais pour toi, c'est trop cool, tu as eu une bête d'idée, c'est super créatif de fou. Écoute-moi bien, je suis chaud de venir derrière cette porte. Mais malheureusement, Gizzy, avec son emploi du temps, c'était grave compliqué, donc il pourra pas être là dans la partie 1. Mais en tout cas, si je vois que vous aimez grave cette vidéo, il sera grave présent dans la partie 2. Et Sora aussi m'a répondu, yo Bogo, je tombais plusieurs fois sur tes vidéos, dans l'idée avec grand plaisir, faut juste voir si niveau date, ça coïncide. Et justement, c'était pas trop le cas. Comme Gizzy, si je vois que vous kiffez le concept, il viendra pour la partie 2. Franchement, c'est trop cool que ce compte TikTok qui a été créé à la base par pur délire, et je me suis dit, vas-y, ça peut être cool, qu'au final, aujourd'hui, il me fasse rencontrer des gens que je kiffe de fou, et en plus de ça, qui kiffent le délire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la partie 2, elle est entre vos mains, et à vous de me dire dans les commentaires quel autre influenceur, TikToker, chanteur vous voulez voir derrière cette porte. Bisous la team, prenez soin de vous. Bon, ici, il n'y a pas de porte, tu peux pas partir. Je reste sur le canapé. Ouais, je suis toujours là, ouais. Pensez à vous abonner, hein, bande de petits filous.